Et on se retrouve sur Lens Island pour la suite de notre aventure. Donc là, si vous vous rappelez bien, on était arrivé sur une île. Une magnifique petite île. Bon, qui ressemble forcément à toutes les autres. Je vous cache pas que j'ai fait un petit tour, vite fait. Et, hormis des arbres et des arbustes, il y a une petite biche qui se balade. Et également... Calme-toi. Là, j'ai tapé ça, hop, voilà, on récupère. Mais il n'y a pas que ça. On était monté là-bas, on avait récupéré d'autres trucs. On a quoi ici? Regardez ce qu'on a. De l'eau. On nage. Et puis derrière, il y a quoi? Il y a une grotte. Donc forcément, on va faire quoi? Ben, on va y aller. Eh, j'ai pas le choix. Donc une petite grottounette ici. Et ça par contre, la grotte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc. Alors déjà, ça commence bien. J'ai ce qu'il faut. C'est parti. Allez, go. Non, calme-toi, Maurice. Donc là, de la roche. De la roche. Alors, est-ce que ça passe sous l'eau? Pour le coup. Voilà, ça en fait 3 petits morceaux. On va se remettre l'épée. Il y a des chauves-souris. Je le fais toucher à chaque fois, ça me plaît pas tellement. Bon, après, c'est pas grave. C'est une reprise. Là, on a de nouveau. Ah, c'est génial. J'ai remis des champignons au passage. 6. Ok, calmez-vous. Calmez-vous. Très bien. Non mais tu peux pas me toucher en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est que là je vais me remettre au max. Et donc forcément... Je vais pouvoir récupérer des points de vie. Allez, je vais récupérer un peu de charbon. D'accord, donc là il n'y a rien. Là si je tombe, je meurs. Donc là ce que je peux faire, c'est allumer ceci. Voilà. Car là nous y sommes allés. Là aussi. Là on y est allé. Donc on allume. Non, non. Tu veux pas la taper, tu veux juste l'allumer. C'est ça. Et oui, Maurice. Donc par contre, il me faut d'autres ressources. On répare. Je vérifie ce qu'il y a parce que... Je n'ai pas envie d'avoir de surprise. Puis-je encore allumer? Oui, on peut allumer. Ça s'appelle une mine supplémentaire. Oh, il n'y a rien, sérieux? C'est normal ou pas, là, qu'il y a rien? Bon, j'ai peut-être pas encore les compétences pour. En tous les cas, je serais allé jusque là. Ici, on a quoi? Ouais, est-ce que je peux sauter? J'ai pas trop envie d'essayer. Parce que... Alors si, je peux faire ça. Ça peut le faire, hein. Oui! Oh, mais qu'elles sont magnifiques! Oh, je fais ce que je veux. Ah, par contre, j'ai pris un peu de hauteur. Non, c'est bon. Ah, du coup, j'aurais pu le faire directement de là, quoi. Ouais, ok, très bien. Oh, la grosse mine. Et là, je peux pas y aller. Là, par contre, le saut va être compliqué. Hein. Il me semble. Hein. Donc, on a fait le tour, on est d'accord, je peux pas aller plus loin. Non, là-haut non plus. Ok. Donc si on peut pas aller plus loin, on va rentrer. Hein. Tout simplement. Allez, go! Alors une fois sur le bateau, il peut y avoir des ressources dans l'eau.
passer dessus avec le bateau et vous les récupérez. Donc là, forcément, il faut que je dise ça pour qu'il n'y en ait pas une seule. Ici, je pourrais pêcher, éventuellement. Donc là, on va racler un petit peu le bateau. Allez, allez, ça fait mal. Donc la maison est là. On va se stationner tranquillement. Allez, allons dormir. Ok. Donc un nouveau jour. On va aller voir maintenant. Donc l'île c'est fait avec la grotte. On va aller s'acheter un bouclier. Car on en a pas. Et ça il nous en faut absolument un. C'est-à-dire genre ça. Bouclier, pénalité de recharge roulade. Deux fois, mais en tous les cas, 10 de dégâts de base, 10 coups critiques. On achète, bien sûr qu'on achète. Comment c'est possible de ne pas acheter un bouclier? Donc, les réglages sont faits. Hop, je peux bloquer. Et maintenant, on va aller acheter. On va aller voir le pêcheur déjà. Allons voir le pêcheur. C'est même pas le pêcheur, lui c'est le pêcheur. Lui c'est un marchand. Il a une quête pour nous. Oh oh oh, quelle journée, oui! Bien le bonjour, je vois que vous avez pas mal amélioré les choses ici pendant mon absence, bon travail. En explorant les eaux, j'ai trouvé des îles où l'on peut trouver beaucoup de ressources. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il vend déjà? Une sorte d'objet de valeur, très bien. Ok. Ah c'est un plan de carte au trésor, j'achète. Hein. Voilà, parfait. Ensuite, ils vont quoi? C'est quoi? C'est des saphirs, j'en ai. J'ai des saphirs, je pourrais lui en vendre d'ailleurs, mais pour l'instant, nous, on va s'acheter une canne à pêche. Tac! Eh, je sais, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. Ah, canne à pêche, je vais la mettre, là pour l'instant. Donc, la quête, c'était quoi là? Parce que l'autre, il a parlé, là, à un moment donné, j'ai complètement bugué. Carte au trésor, choisissez la bonne étoile, l'aventure vous attend. Ouais, pour ça il me faut des choses. Ça se fait pas tout seul. La liste des quêtes. Donc là j'ai des points de compète à mettre. Donc ici, il en faut deux. C'est mort. Et là donc pêche 1 sur 4, acheter une canne à pêche, parler à Kevin le pêcheur. Donc on va parler à Kevin le pêcheur. Parlons lui. Kevin, salut. Vous avez attrapé quelque chose de bon ces derniers temps? Non, du tout. Un nouveau client, vous êtes venu au bon endroit. J'ai toutes sortes de poissons pour toi. Qui êtes-vous? Ça s'appelle Kevin, bien sûr. Quand as-tu un peu de poisson vous intéresse? Après avoir terminé mon apprentissage, j'ai décidé de voyager et d'attraper différentes sortes de poissons pour améliorer mes compétences de pêcheur. Ah, c'est bon ça. Allez. Ouais, oui, d'accord. Toutes sortes de poissons, bien sûr. Si j'attrape quelques poissons, je pourrais peut-être lui en vendre. Donc là on est d'accord que si je fais ça, on a parlé à Kevin. En fait les tutos, ouais j'en ai quelques-uns à faire. Acte 2, attraper 7 sardines, c'est ça l'acte 2? Non l'acte 2 c'est d'aller sur l'île de Tarragone. Trouver le conseil municipal de Tarragone, activer l'obélisque du donjon de Tarragone. Mais en parallèle il y a quand même pas mal de choses à faire. Je vous le dis tout de suite. Donc là on va essayer d'attraper les sardines, ouais, j'ai envie de pêcher un petit peu. Alors, on va reprendre le bateau. La canne à pêche, c'est en deux. Me faut-il? J'ai cru voir tout à l'heure un banc de poissons. On va aller voir ça. Ah, c'est important. La pêche, c'est très important. Le banc est là. C'est à côté. Ok, et là. C'est parti. Paf! Ça fonctionne comment ça? Dès que ça coule, j'ai. Qu'est-ce que. Comment je me débrouille? Là, il faut faire quoi là pour pêcher? Sérieusement? Allez, je recommence. Là, il faut appuyer au bon moment. Ok, c'est comme lorsqu'on donne un coup d'épée ou de hache. Le second coup, il faut taper au bon moment.
Ouais, c'est parti. Là, voilà. Oui. 3. 4. Paf. Catch fish. Et là, ça rigole pas. Je vais voir ce que j'ai pris. On a attrapé de la sardine. Alors, je crois que la sardine, il m'en faut quelques-unes. 7. Pour combler la première quête du pêcheur. Bon, c'est pas une quête, hein. C'est un directiciel pêche. C'est important. Allez, on va rester là, on va pêcher un petit peu. Mais non, mais pêche, Maurice, bien sûr. Maurice est en train de prendre l'eau pour son petit bain. Allez. On ramène. Non, mais pourquoi j'ai appuyé? Alors quand c'est rouge, faut pas appuyer, c'est ça? Non, c'est pas grave. Allez, une dernière. Et après, je vous passerai le reste. Hein. Je vais pas vous faire une séance de pêche pendant 3 heures. C'est un gros surion. Deux fois, il faut que j'appuie. Voilà, oui. Ouf! C'est quoi, c'est un espadon? J'ai pris quoi là? Un espadon. Oh, il est beau. Il est magnifique. Allez, je reprends après. À moins que j'attrape un gros poisson, un requin marteau. On sait pas. Ah! On les a. Je crois que c'est bon. Je vérifie. Espadon. Il faut de l'espadon. Bon, nous on quitte. Allez. On quitte là. On va retourner voir Maurice. À moins que j'aille faire cuire. Ah, mais je suis où là? Mais non, je suis sur une île. Il faut que je retourne à la base. Il faudrait que je n'ai pas eu le bateau. Allez. C'est reparti. Non, y a rien. N'y a que dalle. Ça, je pense que je peux le faire cramer là-dessus. Ça, je peux récupérer. Le poisson, on peut le faire cramer. L'espadon est magnifique. Hein. Par contre... Par contre, ce qui est bizarre, c'est que l'espadon... Quantité de soins. Ouais. Ah, c'est bon ça. Allez, la dernière sardine. On récupère notre production. Ok. On se ferme ça. Il faut de l'argile, bon l'argile j'en ai déjà. J'ai déjà fait quelques saphirs, 3 saphirs. Donc ensuite attraper 3 espadons. Ah ouais, super. En tous les cas, ce qu'il va falloir aussi qu'on fasse, donc c'est trouver l'île de Tarragone, mais ouais, ça va pas être pour tout de suite. Hein. Cuisine, il y a quoi à faire? Un matériau de sucre, construire une cheminée, transformer le blé en farine, préparer des muffins aux myrtilles. Et récompense quelque chose. Accumulateur, c'est quoi ça? Construire un dépôt de bois, construire un dépôt de pierre, rassembler. Ouais, d'accord. Ça se fait au fur et à mesure, je pense. Apprivoiser un chat. On l'a pas trouvé, un tigre, un loup. Ouf, 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 ouf. Donjon maudit. Les donjons maudits, bah oui, forcément. Terminer le donjon des grottes anciennes en mode maudit. Les grottes anciennes, c'est celui qu'on a fait avant. Hein. Portail de ville, j'en ai pas. Améliorer la ville Bridgewater au niveau 3. Pour le coup, ça va très vite, hein, j'ai l'impression. Il fait déjà nuit. Allez, on est reparti. Donc on va prendre peut-être le bateau, là. J'ai envie de voyager aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai envie de me promener. On a découvert une île, déjà, ici. Là-bas, ce sont des courants marins. Ouais, il y a peut-être rien d'autre. Hein. C'est ça le problème.
C'est qu'on se promène, mais allez, on va aller tout droit. On trouvera peut-être des trésors dans l'eau. Allez, go! Donc là, on ne peut pas. On va longer. Si je le fais, je suis emmené ou pas? Allez, je teste. Est-ce que ça m'emmène? Ah, je peux traverser! D'accord, cool, cool, cool. Et donc, du coup, il y a des îles de l'autre côté. Ah, puis elle est énorme celle-là. Oh, oh, oh. Ok. D'où l'intérêt, peut-être de. Encore une fois, peut-être de se faire des îles. Hein. C'est quoi ça? On peut pas? Je pense que je vais ranger la canne à pêche. Ouais. Je sais pas pourquoi je le sens bien. La canne, on va la laisser là. On va faire ça. De la baie. Voilà. Donne-moi de la baie. Épée en main. Ouais, d'accord. Alors, ce que je peux faire éventuellement, ça va être le bouclier. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je pense que c'est une très très bonne idée. Le bouclier? Ah oui. Ah mais non! Ah c'est même pas un boss! Ah bah le travail! C'est quoi cette île? Bon. Déjà je pense. Alors il me semble que cette île. Je pense hein, que l'île, on va la laisser tomber. Voilà. On va se barrer. Elle est pas faite pour nous. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'ai l'impression que. Qu'il m'envole un peu. C'est quoi ça en face? Nous, on voyage, hein. On n'est pas là pour se faire taper dessus, on est là quand même pour visiter. On se promène? Petite gnie, je pourrais peut-être aller la voir. Là. Alors, on a quoi sur la carte? Ouais, c'est une île quand même très hostile celle-ci, hein. Franchement. Je sais pas si on peut la nommer. Je sais pas si elle est nommée. Je suis même pas sûr qu'on. Non. Elles sont pas nommées. Ici, on a quoi? Il y a des choses, hein. Il y a beaucoup de choses par là. Et là, on aurait une scie dans ce coin. Mais, ouais. Très, très dangereuse. Par contre, ça vaut le coup de venir quand même. Oh, ils sont tarés. Ils sont tarés. Ah! Oh, j'en ai eu un. Alors pour le coup, il m'a pas touché. C'est plutôt une bonne chose. Je vais faire ça. On a dû faire toujours. Ok. Pas mal de ressources. Là, je vois qu'il y a des choses en haut. Hein. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Oui. 20 pièces, ça valait le coup d'y aller quand même. Là. On récupère des bananes, ça, c'est bien aussi. Là, il y a pas mal de choses. Charbon, c'est ça, de la ferraille. Et des pièces. Allez, on poursuit. D'accord. Donc on s'est fait un petit peu peur tout à l'heure. Bah les autres, ouais, ils font mal quand même. Malgré tout. Autant les le gros qu'on a tué, ça peut aller. Autant les autres. Non merci. J'ai l'impression qu'il va avoir vite fait rapidement soif.
J'espère qu'il n'y a pas eu de mirage. Anti à chaud. Hein. Le gars à chaud. C'est quoi ça? Allez. On se fait le tour pour être sûr de ne rien louper. Ah, je les aime bien ceux-là. Prends ta lame. Dac. Par contre, il faut absolument que je remette de la nourriture. Là. Au final, ça me sert pas à grand chose. C'est parti. Oh, la grosse pépite là-haut. Par contre, là. Ouais. Ok, très bien. Allez. Bon, on va bien voir si déjà je peux la péter. Oui, ça a l'air d'aller. Ah, niveau d'armes trop bas, forcément, allez, laisse tomber. Laisse tomber. On ne peut pas. On s'embête à venir ici. Pour au final, ça ne serve à rien. Là, on a quoi? On peut le non, on peut pas le réparer. Ça donne où ça? D'accord, ça rejoint les deux côtés. Non? Là, j'en viens de parler ou pas là? Mais oui, j'en viens. On en vient, donc on va aller par là. On va récupérer du métal. Allez. C'est quoi ça veut dire quand c'est un nid? Level up, hein. Très bien. Quatre. Allez, on le pète. Allez, reprends ta ton épée, ta Maurice. Ok. Allez, reprends des petites baies. Parce que 9 de vie, c'est pas terrible. Hein. Ah non, pas lui. Je ne veux pas. Il va me défoncer. Ah, ils sont solides, les gars. Ah bah là, on va rentrer. Hein. On va bien voir. On visite. Si ça craint, je ressors. Ok, bon, ils sont calmés là. J'ai une torche ou pas, moi qui traîne? Ouais, j'ai une torche. Pour le coup. Ouais, non. Oh, je vais la laisser là quand même. Les baies. Je m'en fais une petite. Histoire de remonter ma vie. Et je vais me remettre. On a dit qu'on mettait ça. Ok.
Allez, on le voit par là. Allez. Ok, on poursuit. En fait, je sais même pas dans quel sens je fais les choses. Car pour l'instant... On pète. Alors, il y aura peut-être rien au bout, hein. Je sais même pas où je suis. Si, je suis sur l'île. Hein. Complètement. Ah! Donc on a Maurice qui nous attend de l'autre côté déjà. Ah, ils sont deux. Très bien. Ah, ah. Ah, mais j'ai peur. Forward. 3 maintenant. Ah, ils sortent de là, d'accord. Bon, c'est ça, je vais me faire défoncer. On est d'accord. Mais en même temps, si je tente pas, je peux pas savoir. Allez! Voilà, voilà, j'ai tenté. Au moins comme ça on sait qu'il faut pas passer. Pas tout de suite. Alors je me rappelle plus, je sais plus si je suis déjà mort. J'espère que j'ai pas besoin de récupérer mon sac, sinon on est mal. Ah bah là, je vous cache pas que s'il faut récupérer le sac, bah c'est pas possible. Alors c'est pas possible parce que c'est de l'autre côté. Il faudrait que je tape, que je retourne en arrière en sachant que c'est légèrement surélevé, à mon avis, c'est foutu. Hein. Alors. Ouais, je n'ai plus rien. On est d'accord. Ben, c'est reparti, hein. Et mon bateau? Où est mon bateau? Oh, les gars, sérieux. Non, un minimum de sérieux ou pas? Je fais comment, moi, pour retourner sur l'île? Je vais pas y aller à la nage. Oh, c'est pas possible. Comment je fais pour récupérer mon bateau? Là j'en refais un. Hein. J'ai pas le choix. Ah mais voilà, c'est réglé. Hein. Je suis obligé d'en faire un. Hein. Alors c'est où déjà? C'est là? Bon après ça va. Hein. 15 brindilles et 30 bois. Bon je reprends dès qu'il est prêt. Hein. Ok, on est prêt. Allez. On se le pose. Allez, go. Et nous sommes repartis. Pourquoi j'ai deux, là? Allez, on le prend, ça. Ah, cool, un emplacement supplémentaire raccourci. C'est génial. Tac. Et si je vais pouvoir mettre comme ça, malgré tout. Pourquoi je peux pas rentrer? Je vais pouvoir mettre en raccourci le bouclier, peut-être. Alors, soit le bouclier, qui n'est pas une bonne chose, également peut-être des baies. Allez, c'est parti. Ouais, je fais la collection des bateaux. J'aime bien, hein, c'est mon truc. C'est là qu'est mon corps. Et voilà. Et puis c'est tout. Ça me fait... Ouais, ça m'embête un peu. De le voir là et de ne pas pouvoir le récupérer. Il faut que j'appuie, que je reparte dans l'autre sens. Mais ça va être tendu, hein. On le tente. Allez. Allez. Hop là. Et j'ai rien récupéré, on est d'accord? Il est toujours là. Je n'ai rien. Ah si? Ah si, je les ai récupérés. Il a laissé quoi au sol? Peut-être le sac tout seul. Je vérifie. Ouais, j'ai tout. J'ai tout. Les bananes, non, j'ai tout. Allez, je me casse. Bien. Mission accomplie. Je retrouve
à la base. Ah, au bateau déjà. Donc on reprend ce premier bateau. C'est le premier ou le deuxième? Le premier. Pour le coup, bon, on va aller à droite. Hein. Enfin, sur la gauche pour nous. On va aller se faire un petit tour par là. J'ai vu qu'il y a d'autres îles qui me paraissent un peu plus verdoyantes. Je sais pas pour vous, mais ça a l'air d'être un peu plus vert. Donc, qui dit vert dit plus amical en général. On peut se tromper, mais c'est là que t'es quand même très, très hostile. Je venais en ami, moi. Ouais, c'est mieux déjà. Alors pour le coup, c'est de la petite île, ça, dis donc. On va récupérer quelques ressources. Ouais. Des choses à faire, peut-être. Là, on a de quoi pêcher, éventuellement. On a de quoi pêcher, on a de l'argile. Ouais, c'est une île toute petite, hein. Mine de rien. Aucune ressource à récupérer, hein. Je vais prendre un peu de hauteur pour voir. Ouais, c'est une série de trois îles. Minuscule. Ah, il a récupéré du verre, Maurice. Très bien. Encore, c'est bien ça. Ok. Donc pour l'instant, ça je récupère les baies, il m'en faut. Déjà je suis un petit peu rassuré, j'ai récupéré mes affaires. Donc il y a d'autres séries d'îles, on va aller voir. Il est où mon bateau? Rendez-moi mon bateau. Il est sur ma gauche. Ensuite, par là. Alors pour le coup, cet épisode est un épisode de balade. On se promène. On visite un peu la carte. Différentes îles. Qui pour l'instant, ouais, n'apportent pas grand-chose. On en vient de celle-là. Ah, là il y a autre chose. Alors déjà je vais sur la petite qui a l'air d'avoir des fleurs spéciales. De toute façon j'en ai déjà eu, hein. Ça me dit rien pourtant. Je les récupère pour le potager. Ça c'est quoi ça? D'accord. Je vérifie, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ça, ça se pète pas, ça. Hein. Ah, si. Niveau d'armes trop bas. Oui, c'est ça, j'ai un niveau d'armes à chaque fois trop bas. Donc, ce qui prouve bien que cette partie-là de la zone, elle n'est pas faite pour moi. Hein. Mais en même temps, je suis pas loin de chez moi. C'est le problème. Donc, là, ici, j'ai laissé un radeau. Ok. Je vais visiter cette île. On va faire la grande. Allez go. Allez, y'a Maurice. Oh là 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 là. La catastrophe. Du coton ça? Attendez. Qu'ai-je récupéré là? Qu'est-ce que c'était? Ah, du coton, cool. Ah, c'est bien ça. Par contre, je vais quand même récupérer les tout petits bouts. Ça, ça les embête, à mon avis. Je vais les récupérer. Ne pouvant péter cela, je récupère. Hop. Voilà. Donc on a récupéré ça. On va se promener par là. Donc un gros chevreuil qui est magnifique. Allez, récupérons le coton. Encore ces petites pierres là.
Pas mal, hein. Je vois pas ce que c'est, on dirait la couleur du grès. Ça me le dit pas. Et ce qui est sûr, c'est que sur cette île, déjà, j'ai récupéré des ressources un peu différentes. Ça, je suis sûr que c'est de la lavande, pas possible. Ah, la lavande. Magnifique. Magnifique. Ça, j'en ai déjà, je connais ça. Ouais, ça, on connaît. Donc, l'île, elle semblait grande, mais en fait, non, c'est une petite île. Seconde partie ici. Très bien. Allez hop. L'opulence de coton. Et le bateau est là. Allez, récupère ça. Non. Hop. Et là. La dernière. Tac. Alors il y en a plein, hein, mais je sais où venir si j'ai besoin. Ah, est-ce que je peux mettre un petit, petit icône là-dessus? Je vais mettre ça. C'est une sacoche, non, c'est nul. Pioche, voilà. Non, je mets une pioche. Là. On va partir par là. Par contre, mon bonhomme va pas tarder à avoir faim. Alors. Je vais lui mettre. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout déposé sur le bateau, lui. Alors pourquoi pas, hein. Mais. Non, tu peux récupérer ta grosse pierre là. C'est possible ou pas? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Sérieux? Du calcaire, ok. Allez. On va aller... pour le coup, ça vient de faire cette zone-là. Ah, je récupère par là. Et là, on a une île. Ah, vous voyez? Il y a un déchet dans l'eau, un tonneau. On lui fonce dessus. Paf! Et là, on a récupéré des bananes. Et d'autres choses. Hop, encore. Encore deux, sérieux. De la banane. De la ferraille. Et là, à droite, il y a une île. Alors, c'est cet îlot-là ou... Je sais pas, non. Il y a bien une petite île qui traîne par là. C'est tout mignon, hein. Tout mignon. Allez, là, l'île. Ok, je vais récupérer ça vite fait. Nous, ça nous fait explorer un peu les environs. On prend des points d'XP, des bonus, c'est génial. La citrouille, on prend. Paf. Voilà, on va voir quoi ici. Ça, c'est quoi? C'est de la fibre classique. Donc, pour l'instant, pas grand chose. Ah, c'était quoi? Ça, c'était branchage. D'accord. De l'argile. Des grosses armes, hein, par contre. Hein. L'île, elle est comment? Ah, elle est pas très grande. Hein. Il va récupérer du verre, c'est génial. Là, vas-y. Hop. Nous avons des citrouilles. Donc, pourquoi pas. Je ne sais pas si on peut faire des recettes avec ça. Et quoi qu'il en soit, on prend. Eh vas-y Maurice, il adore ça. Un petit lapinou. Ah, il y a une structure. Il y a un donjon ici. Enfin, un donjon. Ah si. Il y a forcément un donjon. De la banane. Est-ce que je peux le ramener? Ouais. On va le ramener, on va le péter au bord. Voilà. Ok.
cool. Et ça, ça ne fait rien quand j'appuie dessus. Ouais. Bizarre. Ah mais... D'accord, ça fait rien qu'en fait c'était la branche... Ça sélectionnait la branche de derrière. Donc il n'y a rien à sélectionner, rien à déclencher ici. Par contre, il apparaît ou pas sur la carte? Non. On va aller voir. Curiosité. Forgotten Market. Voilà. Ah, direct, on tombe sur un boss. Oh, oh, oh. Je me barre. Je me barre. Non, mais c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. On ne peut pas être embêté de la sorte. Non mais je suis obligé de sortir. On tombe directement sur le boss de la fin du donjon qu'on a fait sur l'épisode précédent. Celui d'avant. C'est impossible. On peut pas faire ça. Non. Là franchement, on se moque des gens. Là j'ai l'impression qu'on se moque un petit peu. Je vais faire ça. Je vais récupérer ça que je les repositionne. J'essaie d'y aller, mollo. Je vais voir, je suis curieux quand même. J'ai quand même envie d'aller voir si le boss, je peux le taper un peu. Parce que là, si je le fais venir ici, que... Ah, je vais essayer. Allez, venez. Viens. Allez, viens. C'est bon là? C'est calmé Maurice? Il balançait des choses, mais est-ce que c'était vraiment... Ok, moi je les pète. Voilà. On les pète. On récupère du champi. On se plaise. Ah, il y a encore, bah oui, forcément l'autre. L'autre il se met des coups. Mais j'ai l'impression que ça lui fait rien. D'accord, c'est un piège ennemi, mais qui ne blesse pas ceux qui l'ont construit. Donc là il n'y a rien. Ok, poursuivons. Faut que je pète. Viens là toi. Faut que j'arrête de mettre ça ici. Vas-y, lâche-moi ça. Ouais, je sais, merde. Allez, hop. On va récupérer un peu de vie. Passer par là? Il y a quoi ici? Calme-toi. Voilà, tu récupères un petit peu de pièces. Là, on peut monter. Il y a des choses à faire, non? On peut dormir? Non, il veut pas. Bon, il y a rien. Un peu vide, hein. C'est bien la peine de faire ça. Bon, ici, je sais qu'il y a des choses. Eh oui. Je passe par les toits. Je passe par les toits. Pas que je rate mes coups. Ouais, mes coups critiques, faut pas que je les rate. Hein. Donc là, il y a des pièces de cachet.
Voilà, parfait. On avance, hein. J'avance doucement. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ok. 5. Ah, c'était chaud. C'était très très chaud. Je monte. Et je monte pourquoi? Pour rien en fait. Lui champi. Parfait. Est-ce que je peux y aller là? Oui. On peut y aller, il y a des pièces. Là, pour le coup... Oula. Donc faut faire attention quand même. Ouais, je les trouve un petit peu agressif quand même. Moi j'aurais rien fait. Ok, ça c'est bon. Ah, faut quand même que je regarde à gauche à droite s'il n'y a pas une petite mine de métal. Pour l'instant, j'ai rien récupéré à part de l'or. Ah, je les aime pas ceux-là. Oh là là, hé. Faut se calmer, Maurice, hein. Bon. Là. Oh. C'était quoi ça que j'ai récupéré? Non, attendez. Ah, j'ai l'impression d'avoir récupéré un truc important. Non. Que dalle en fait. Hein. C'est ça? Des fruits de la passion. D'accord. Pourquoi pas? Et là, j'allume. Faut tenir. Hein. D'accord. Ok. Ok, ok. Oh, ça craint. Ça craint, ça craint. Là, il y a un deuxième boss. Ah, j'ai pas une masse, moi, qui traîne. Ah, c'est ça le problème. Je vais faire ça. Je vais prendre la masse. Elle est où? Elle est là. Je vais la mettre à la place de la pioche. Non, même de la hache. Hein. On va faire ça comme ça. Je vais essayer de les péter assez rapidement. De toute façon, c'est pareil que tout à l'heure. Il va falloir quand même que je prenne la masse. Allez. Ok, c'est parti. Donc là... Ouais, je sais, c'est moi, c'est moi. J'en reprends un. Non! Mais non, c'est pas possible! Ah, je vais pas y arriver. Ils sont trop nombreux. Si j'atterris dans ma base, j'arrête là, c'est bon. Ça va vite me saouler.
J'ai pas fait un troisième bateau? Oh non, mais sérieux! Comment? Je peux pas, c'est pas possible. Je vais pas refaire un bateau à chaque fois pour récupérer mon corps. Donc pour le coup, on va s'arrêter là. Je vais essayer de comprendre comment ça se fait qu'à chaque fois je repop ici, non pas proche de mon radeau, car à chaque fois il faut refaire un radeau. Si je meurs 90 fois, il y aura 90 radeaux dans le coin. C'est un peu la misère. Et puis, bon, je vais refaire un radeau forcément. Je vais récupérer mon corps. Et puis j'essaie de revenir. Et puis on retourne à faire le boss après. Ou alors je le fume vite fait, car je pense qu'il faut pas y aller à la masse. Mais à l'épée, il n'y a pas de gros boss, c'est que des petits, donc voilà, avec la vitesse de mon épée, ça peut le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette promenade vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, c'est gratuit. Et en mettant un commentaire, j'y répondrai au plus vite. Merci à vous, et à bientôt.